Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Plague Tale Requiem, et ce qui sera certainement le dernier, l'épisode final. Donc attendez-vous à un épisode un petit peu long, puisqu'on aura le générique, on aura la scène post-générique, et oui, il y a une petite scène post-générique, l'épilogue, tout ça, on y est, 17e épisode, normalement, la conclusion, c'est maintenant, c'est parti, et vous allez avoir encore de la forte, de la grande narration avec beaucoup d'émotions. Et de très belles scènes et très impressionnantes pour le jeu. C'est parti! Combien de temps jusqu'à Marseille? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non! J'aurais pu! Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort, tu comptes? Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Waouh, ce genre de signe. Oui, c'est lui. Mais ce n'est pas de très bon augure. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la ville. Ça vient du sol. On le trouve et on file. Corée! Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fuyez dans les collines. Non! Non, vers la mer. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses? Assez. Les portes de l'enfer le sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est le chant ultime de la Macula. Pas du temps. Nous sommes maman tous allés. Il faut faire demi-tour. Il faut retrouver maman. Lève-toi. Je t'en supplie, lève-toi. Je peux pas. Ma jambe. Il le faut. On a besoin de plus de monde. C'est sûr que ça tira. Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Mais les gens encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? J'en sais rien. Attends, tu pousses là. Ça doit être ça. J'ai compris, je crois. Alors vas-y. C'est... du feu grégeois? Oui. On compte à récupérer des chariots de l'ordre. Et donc on va... au-delà de ces murs? On n'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est reparti. Du sol. Non, elles viennent des remparts. On dirait des battements. Son cœur les commande. Tu m'imagines combien ils sont? Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi? Notre châtiment. Nom de chien! Je crois qu'une scène comme ça se passe de commentaires. Je
Echo. Sophia, par ici. Est-ce que ça va? À ton avis. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon frère. C'est parti pour le dernier chapitre numéroté. Et moi qui te pensais invincible? C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas, je veux te dire que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien, mais vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris? Il doit vivre. Il mérite tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. Bon, ça va être un épisode final où je ne vais pas beaucoup parler, en tout cas jusqu'au moment du générique, puisqu'il va évidemment avoir beaucoup de narration. Il ressemble à une vraie armée. C'est le cas. Maintenant qu'Hugo est devenu leur chef. Ça a toujours été son jeu préféré, la conquête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Afin de laisser profiter un maximum de l'histoire, de ce qu'elle a à raconter jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais beaucoup me taire hein, une fois qu'on va être dans les gros moments cinématiques et tout ça. Allez, on peut améliorer ça, faisons ça. C'est bien mieux. Hey, regardez qui s'en est sorti. Un œillet. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant contre-rencontre, Lucas. Ah, je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Oui. Œillet. Les origines de la fleur de Dieu remontent probablement à l'Antiquité. On l'offrait lors des cérémonies de couronnement sous forme de couronne, guirlande de fleurs dans la Grèce ancienne, et les Romains récompensaient la performance exceptionnelle d'un athlète avec cette fleur de Jupiter. Dans la religion chrétienne, symbolise les larmes de Marie pleurant son fils. C'est peut-être pourquoi on offrait jadis un bouquet d'œillets roses, exprimant la pureté et la gratitude, pour honorer l'amour d'une mère. Et c'est dommage, hein, il me manquera un petit souvenir ici que j'ai loupé. Écoutez, tant pis. À vous de le retrouver en faisant le jeu. Qu'est-ce que c'est ?
lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la Macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia, nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors... Alors on plonge. Rejoindre. Bouge pas. Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Il n'y aura pas de marin à la fin de cette histoire. C'est triste. Va. Et reviens avec lui. On se reverra, toi et moi. Continue. Hugo est tout prêt. Il faut trouver Lucas d'abord. Bon, bah pour Sophia, ça s'est arrêté assez vite, hein, la plongée vers la Macula. C'est vraiment toi. Amicia, je suis là. Et Sophia? Elle ne peut plus marcher. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut y arriver. Tu vois, elle porte mieux toujours debout en contrebas. Les râles contournent. On se rejoint là-bas. Oui, mais attends, attends! La moindre erreur. Je sais. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. On peut tenter le coup entre deux vagues. Seigneur. D'accord. D'accord. Quand tu veux. Ne t'inquiète pas. Je serai derrière toi. Alors pas maintenant, on va attendre qu'elle passe. Alors là, tu tapes ton meilleur sprint. Oui. Continuons. D'aller vers les murs qui sont toujours debout. On se cache, on attend et on recommence. Oui. Ouvre la voie. D'accord. Allez, 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 allez. C'est pas vrai! Pitié, tiens bon! Oh non, ne reste pas là!
Rétus, ça passe. Qui passe, j'étais pas sûr de moi. Au mieux être sûr. Regarde-toi, caché sous une couverture, comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. D'accord. Let's go. Respire un grand coup. On a perdu Lucas. C'est Hugo. Trouve-le. Ça a été rapide. Hugo, c'est moi. Je suis vivante. Je suis là. Où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Non. Impossible. Un phénix? Ici? Donc la petite énigme sur la Kuna. Encore un autre. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est quoi cet endroit? Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Ils montraient la voie. Ils mènent sûrement à lui. Est-ce que je perds la tête? Hugo! C'est toi qui fais ça? Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui. Raccroche-toi à ça.
Donc non, Amicia ne s'est pas cogné la tête. Est-ce que c'est toi qui les as mis là, Hugo? Non, c'est toi. Hugo! Oh, merci Seigneur! Où es-tu? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici! Ils montrent la voie, n'est-ce pas? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge. Et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté. Hugo, je dois trouver une voie pour te sortir d'ici. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé. Mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. J'essaye. Du coup, il ne faut pas suivre les oiseaux. Réfléchis, Amicia. Il est forcément tout près. Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose. De nouvelles voix. Oui, c'est ça, je pense. Continue. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens... Je sais que tu es perdue et effrayée. Mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Ce plan. En arrière, Hugo, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur, je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui, je vais réessayer. Je vais apprendre. Donc je sais ce qu'il faut faire. Ça va marcher de la même façon. Il faut que j'y retourne. C'est tout le discours d'Hugo en fait qui vous donne les... les solutions, mais vous donne aussi des clés de lecture de l'histoire, de l'évolution des personnages, de leur développement psychologique, etc. De toi. Où es-tu?
Je suis là. Hugo, viens, viens. J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Mais tu y es arrivé. Tu peux marcher? Oui. Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Allons-y. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia, je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Je sais. J'ai cru que j'étais tout seule. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et c'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais on l'a mérité. J'essaye de ralentir quand il y a des dialogues pour vous laisser le maximum des interactions. Cet endroit me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Je vous ai déjà vu. Hé, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le garçon! Il l'a tué! Je suis désolée. Tué? Mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment? Je vois aucun rat. C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là. Viens. On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui. Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens. Tu dois arrêter ça! Mais je peux pas. Concentre-toi. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà tout oublié. C'est un mensonge. C'est la Macula qui nous joue des tours. Je suis la Macula maintenant. C'est moi. Quoi? Non! Tu savais que ça pouvait arriver. C'est trop tard. Non, non, non! J'ai laissé la Macula prendre toute la place. Et voilà ce qui se passe. Je sais. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Hugo, ça peut s'arrêter? Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et toujours plus à mesure que les rats se répandent. Alors, c'est la fin? Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Tu dois m'arrêter. Pour arrêter la Macula. Hugo, tu peux pas me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime. Toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... S'il te plaît. Je vais essayer. Et maintenant, Hugo, où es-tu? Où es-tu? Je suis désolée, mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je sais, mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Tu seras parti. Il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Je peux pas.
Rebecca ? Je suis là. Je suis là. Amicia, on y est. Je sais. Et ce n'est pas fini, on a un épilogue. C'est pas une scène post-générique, c'est un épilogue. Et bah il m'a encore eu, hein, ce jeu, il m'a encore eu, j'ai un peu les larmes aux yeux. C'est très très triste, c'est très très beau en même temps. Voilà, je vais déjà faire quelques retours sur le jeu pour profiter de ce générique qui va nous amener sur l'épilogue. Bah, c'est un très très bon jeu, c'est une très bonne suite. Ils ont eu plus de moyens, ils ont pu concrétiser plus d'ambition également. Hein. Le jeu est beaucoup plus vaste, beaucoup plus avec beaucoup plus de subtilité de gameplay, avec l'ajout de l'arbalète, de nouvelles munitions, le truc avec le fait de combiner les pots. Voilà, il y a eu plus de possibilités. Hein, le premier a bien marché, a bien fonctionné, donc bah, ça leur a permis d'aller plus loin et de proposer ce deuxième volet de, vous le comprenez, de ce qui est un diptyque pour l'histoire d'Amicia et de Hugo. La grande force, encore une fois, du jeu, c'est évidemment sa narration, son histoire, son univers. Également, hein, puisque même si c'est bien ancré dans une période historique, dans des lieux historiques, évidemment il y a tout ce côté avec la macula, fantastique, etc. Mais du coup ça s'agence bien, ça approfondit la mythologie qui était un petit peu amorcée au début dans le premier jeu. Et puis évidemment, et bien la narration fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau des personnages. Alors on retrouve également des thèmes qui étaient déjà dans Last of Us 2, hein, ce côté de la vengeance, de la colère qui dévore même les meilleurs personnages possibles, les meilleures attentions quand elles sont gangrénées par la colère, la violence. Eh bien, elles sont phagocytées par tout cela.
et je vais me taire. Ça semble plus haut à chaque fois. Sophia, tu es venue? Bien sûr, je voulais pas rater ça. Attention, je sens le vieux Book. Alors dans ce cas, bienvenue chez toi, vieux Book. Comment tu te sens? T'es prête? Oui, je crois. Alors on n'a plus de temps à perdre. Attends. Bien, allons-y. Comme tu veux. J'ai laissé les chevaux plus haut. Alors, qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois? Je marche, je répare la maison. J'essaie de m'épuiser. Et ça marche? Ça va mieux. Ouais. Bien. Je me suis beaucoup inquiétée, tu sais. Je vais bien, Sophia. Ça fait un an. Oui, déjà. Et... comment vont les affaires? Ça va. Je fais dans le commerce légal ces temps-ci. Oh! Comment ça se fait? Eh bien, j'ai envie de vivre plus longtemps. Ah oui? Je préfère une mer d'huile à une tempête. À propos, on lève l'ancre demain. Parfait. Parfait. Et notre alchimiste vient? Lucas? Oh, non. Il est encore sur la route, à étudier. Tout seul? Il grandit si vite. Il en avait besoin. Ça se rafraîchit. Attends le pas, ça nous réchauffera. Alors, tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène? Pas encore. Mais je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la Macula? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour. Le prochain fléau. Je veux leur montrer la voie, comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de te reposer, alors. Exact. Très bien. Oh, ça sent si bon. Et ce silence. Ouais. Ça va me manquer. Ah, la reconstruction après un événement comme ça, c'est compliqué. On arrive. Les gars, voici Amicia. Soyez gentils. C'est un grand jour. Salut. Tu peux m'attendre un peu? J'ai une dernière chose à faire. Vas-y, je ne suis pas pressée. J'ai encore mal au dos avec cette route. Pas de tempête en vue? Je n'en vois aucune à part toi. Ça ne prendra pas longtemps. Ça va aller.
une toute petite séquence hein, qui va arriver. Je sais plus si Amicia parle beaucoup ou pas. Ma mère va me sembler tellement plate que ça. Donc j'ai pas envie de l'interrompre hein, durant ses dernières paroles du jeu. Salut. Il ne venait jamais ici avant. J'ai toujours su tu te ferais facilement des amis. J'étais pas sûre d'être prête, mais Sophia est là. On n'a jamais abandonné, pas vrai? On a tenu. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver? Je m'en souviens. Et je ne laisserai personne l'oublier. Et donc je reprends mon discours, un petit peu mon retour sur le jeu, et du coup comme Ellie à la fin de Last of Us partie 2, Amicia perd tout à cause de la colère, à cause de cette fuite en avant continuelle et cette non-envie d'enterrer le passé et d'essayer juste de construire son futur. Et c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien rythmé. Les interprétations sont vraiment excellentes de la version française.
Donc, à ce niveau-là, c'est du très bon. Alors, au niveau du rythme, voilà, je l'ai dit il y a quelques épisodes, il y a juste ce passage avec les esclavagistes qui fait un petit peu de surplus. C'est pas mauvais, hein, mais ça fait un peu de surplus, et je pense que les événements que ça veut amener au niveau de la construction des personnages auraient été mieux si c'était intégré sur d'autres moments. Ça a évité ce passage un peu longué où on va juste en fait sur la droite d'une carte pour revenir au centre finalement après avoir fait la gauche. Bon voilà, ça fait un peu il y a un petit côté répétition, un petit peu redondant qui arrive à ce moment-là. Techniquement, évidemment, le jeu est très très réussi encore une fois. Alors évidemment, on n'est pas sur le grand triple A, etc. Mais bon, le studio est bien évidemment plus petit que ça, même s'ils ont bien grandi, hein, depuis Plectel premier du nom, et ils ont bien étoffé en équipe. Mais voilà, on n'est pas non plus sur des Ubisoft ou c'est des choses comme ça, hein, mais ça reste très solide, très joli, beaucoup de scènes impressionnantes. On sent qu'ils ont eu à cœur aussi de pousser encore les choses plus loin. La destruction de Arles, là, ce moment avec Marseille, dans le lieu où Basilius s'était enfermé également. Donc tout ça fait que on sent qu'il y a un step-up qui est fait et qu'il y a une ampleur qui a été gagnée. Et évidemment, la musique d'Olivier de Rivière est incroyable et à la fois accompagne et porte tous les grands moments du jeu. Et comme pour le premier jeu, il faut écouter la bande son encore et encore. Voilà, ça participe beaucoup aussi à l'implication émotionnelle, à la puissance des images ou même des moments qu'on joue, comme ce moment terrible. Et bien, une dernière fois avec la fronde pour tuer le petit frère qu'on a défendu depuis le premier jeu, et tout ça gagnant puissance grâce à l'apport de la musique et d'une très 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 bonne bande son pour le jeu. Voilà ce que je peux vous en dire sur ce retour, et pour une fois c'est un retour qui est plus à froid que d'habitude, puisque c'est un jeu que j'ai déjà fait. Donc du coup, j'ai eu le temps de le digérer, j'ai eu le temps de potasser un petit peu dessus, d'y réfléchir. Et donc, forcément, je peux plus facilement pointer les moments qui m'ont peut-être un peu moins plu, les petits défauts par-ci par-là. Alors après, si on veut parler aussi de petits défauts, et notamment au niveau de la... De la technique, vous l'avez certainement remarqué, souvent on avait alors je sais pas si c'est propre au mode performance, hein, mais nous on était à 60 fps, mais souvent des personnages qui se déplacent en fond à côté de nous, même des fois, étaient animés de manière un peu moins fluide que nous. Donc je sais pas s'ils étaient à 30 et que du coup ça a créé ce petit décalage. Donc ça donnait des fois des effets un peu bizarres. Mais bon, au-delà de ça, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Parce que le jeu se tient très bien techniquement, j'ai jamais eu de bug sur le jeu, que ce soit sur mes deux runs, en comptant mes deux runs, et aussi celle de ma coloc par exemple, elle non plus n'a jamais eu aucun bug. Donc voilà, c'est très solide techniquement. Il y a juste ce petit aspect, mais je sais pas si c'est propre au mode performance et que ça ne se voit pas par exemple en mode graphisme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas moi je jouais avec le mode 60 fps, mais si on joue en mode 30 fps, peut-être que le déplacement des personnages me paraissent moins étrange. Dans ce cas-là, c'est pas impossible. J'attends la fin de ce deuxième générique. Bon, normalement ça devrait plus trop tarder. Il reste une dernière
petite scène à vous montrer. Et puis on en aura terminé avec ce Plectel Requiem. J'essaie de chercher ce que je peux vous dire d'autre. Oui, dans les choses qui ont été un peu, on sent qu'il y a un peu plus grande ampleur aussi dans le game design et dans le level design aussi, c'est que il y a vraiment eu l'insération d'une manière de réussir à faire à la fois évidemment de l'infiltration, mais un peu plus de combat avec les trois branches qui vont augmenter en fonction de comment on se positionne sur notre résolution des différentes petites arènes qui se proposent à nous. Ça fait évidemment partie de quelque chose de plus grande ampleur, puisque du coup il faut penser à ces trois possibilités et du coup ça fonctionne plutôt bien, puisque vous pouvez largement les faire en full discrétion. Vous pouvez également en faire peut-être pas full agressif, à part à partir du moment où vous avez l'arbalète et que celle-ci est améliorée avec les carreaux qui ne cassent plus, mais sinon vous pouvez être beaucoup plus agressif, etc. Donc il faut repenser son système de jeu pour intégrer cette nouvelle méthode cette nouvelle manière de résoudre les puzzles en fait. Donc voilà. C'était ça, la dernière petite scène qu'il restait. Donc, quand vous terminez l'aventure, vous avez la peinture spéciale pour l'arbalète, l'arbalète de l'ordre, et la possibilité de jouer en New Game Plus. Où est-ce que j'aurais oublié un souvenir d'Hugo ? Un souvenir, tout court. J'ai oublié ici, dans le berceau des siècles. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Tant pis, je n'aurais pas réussi à tout faire de tête. Donc voilà la dernière scène qui indique à l'époque, notre époque contemporaine. Eh bien, la Macula est toujours présente et elle est réapparue. Alors après, est-ce que ça annonce un Plectel 3? J'avoue que je... Bon. Si on m'annonce un Plectel 3, je serais un peu dubitatif. Dans le sens où j'associe quand même Plectel à Amicia et Hugo. Leur histoire, elle est terminée. Donc je vois pas... Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Après, je veux bien me laisser surprendre. Ni même le fait de faire un préquel avec Basilius et Aelia. Le jeu... Celui-ci répond suffisamment aux questions, explique bien ce qui s'est passé. Donc on n'a pas besoin d'un jeu pour voir ça. Donc moi je suis pas partisan d'avoir un Plectel 3, mais en tout cas je suis curieux de voir ce que va pouvoir faire le studio dans ce type de jeu. Hein, puisque Asobo, il ne faut pas oublier, c'est aussi Microsoft Flight Simulator, et avec notamment Microsoft Flight Simulator 2. Qui devrait bientôt sortir normalement, qui arrive bientôt. Ils sont déjà bien occupés, mais très certainement qu'il y a déjà de la préparation en cours, ou peut-être même une équipe qui travaille déjà sur un nouveau jeu, peut-être de cet acabit. Donc moi je suis très curieux, très content de ces deux jeux, et voilà, je suis curieux de voir ce que le studio va proposer, en espérant qu'il propose peut-être une nouvelle licence. Il laisse Plectel là où il est. Il est très bien avec ce petit tic. Voilà, c'était mes mots de la fin. En tout cas, j'espère que le let's play vous a plu.
que vous avez apprécié soit de revoir, soit de découvrir ce jeu, en ma compagnie évidemment. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Et vous en doutez, on va repartir sur du Doom. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.